ho mura Burundi ho mura Burundi. Mwagwivyo mani Fabrice Murukundo ugafata amasanamu nawe ni Emile Nibasumba kuri mikomo ikomana ya Veni wihire cyutira mu bakunzi mukomo dukurikira kaze muri camake y'amakuru avugwa kuri uno wa kane igenekerezo rya 20 ruhuma umwaka wa 2020 ino camake reka turayihera mu gisata cy'umutekano harumvikanye ugwamo ugw'amasasu menshi kuri uyu wa gatatu ku musozi Kirombwe muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura muri aho karere abanyagihugu bakaba kewe n'ubwoba aho mbere hari nabataraye muzabo muri joro rya keye ivye masasu bikaba bikirimwo igifungo cinshi hari umusore yaraye nyirujwe ku muhinga mukuru uyu wa gatatu muri quartier Rohero mu gisagara cha Bujumbura aho mubonye ijya nyuma bavuga ko yafashwe n'abantu bari bambaye umwambaro w'igipolisi biyunguruza mu modoka mu bwoko bwa Probox kugeza ubu nta muntu numwe aramenya aho iyo modoka yamujanye. Musata cha politike naho harunani rushasha rugizwe n'imigambwe gwavutse kuva kuri uyu wa kane ugo runani rukaba rwitwa Kira Burundi aroyize bayicako umukuru w'ugo runani yamesheje ko bazokwitaba amatora yose nk'urunani kugira bashire ingufu hamwe vuba ngo bakabagiye kandi gushikiriza umukandida aroyize bayicako yabishikirije kuri wa kane igihe ubushikiranganje bw'intwaro y'agati bari buhejeje kwemerera ugo runani gukora iyo migambwe yagize urunani niranake CDP pajide hamwe na FEDES sangira ino chamake twateguriye tuyisozereye nkabashimwe mwe mwese muruteze abiri mpongera kubaha isango makuru aramvuye mu gice saha 11. Merci Hervé Niyuhire pour le flash d'information langue nationale. Bonjour et bienvenue au flash d'information langue française. À la présentation, Inès Gekiza. Sécurité pour commencer. Des crépitements d'armes ont été entendus l'après-midi de ce mercredi sous la colline Kirombwe, en commune Kanyosha de la province Bujumbura. Une situation qui a causé la peur panique chez les habitants de cette localité. Certains n'ont pas passé la nuit dans leur ménage. Toutefois, le flou plane sur l'origine de cette perturbation de la sécurité. Et toujours l'après-midi de ce mercredi, un jeune homme a été enlevé au quartier Rohero de la mairie de Bujumbura. Ceux qui l'ont vu la dernière fois révèlent que le jeune a été arrêté par des individus en tenue policière qui se déplaçaient à bord d'un véhicule de type Probox. Jusqu'à l'heure actuelle, personne ne connaît le lieu de destination du dit véhicule. Et en politique, naissance ce jeudi d'une nouvelle coalition politique nommée Kira Burundi. Elle est composée de quatre partis politiques qui sont RANAC, CDP, FEDES, Sangira et Pajudi. Aloïse Balichako, président de cette coalition, indique qu'ils se présenteront dans toutes les élections en étant ensemble pour réunir leurs forces et que bientôt ils présenteront leurs candidats. Aloïse Balichako s'est exprimée après l'agrément de cette coalition par le ministère de l'Intérieur. Point final à ce flash d'information. Rendez-vous à 17h45 pour l'intégralité du magazine. D'ici là, portez-vous bien.